Coucou tout le monde, aujourd'hui on est reparti sur Farm Together pour un dernier épisode avec Xav Yes! CDB. Et Et comme mon nouveau chapeau. et son nouveau chapeau que je viens de voir qui est magnifique, vraiment stylé. Vous pouvez voir que moi j'ai mes super lunettes de soleil des années 70. Et on est prêt donc à finir cette petite série qui était vraiment fun. C'est vraiment un très bon jeu. Vous pouvez voir qu'on a vraiment bossé. Surtout que Xav a vraiment bossé la ferme. En une soirée, il m'a changé tout le look et c'est devenu vraiment magnifique. Regardez-moi toutes les décorations, c'est super beau. D'ailleurs là on est en hiver, il fait nuit, nos lampadaires sont allumés et le jeu est très joli. Là, je trouve que c'est une des meilleures saisons dans le jeu. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est mon moment préféré. Ouais, carrément. Avec les petits flocons qui tombent, la lumière au loin, les petits effets visuels, c'est génial. Alors, vous pouvez voir que alors, on a toujours cette zone là qui a bien été travaillée avec maintenant pas mal de moulins. Alors, les moulins sont juste visuels, hein, tu m'avais dit, Xav. Ah oui, c'est juste de la déco, ouais. Voilà, donc ils ne donnent rien de particulier, mais de loin ils sont vraiment magnifiques. Voilà, on a un petit peu d'élevage de poissons supplémentaires. Tiens, d'ailleurs, on va pêcher, on va voir, vas-y, pêche de ton côté Vas-y. également, hop. La chance légendaire va-t-elle encore frapper? Voilà, c'est Voilà, j'ai réussi. parfait, il est là. Ah, t'as Non, là, réussi? j'ai réussi, ouais. Là, j'ai Ah, réussi à d'accord. nouveau. Vas-y, Ah, pêche-toi pour voir. Moi, j'ai réussi deux fois, là. ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, du coup, maintenant j'ai une pression de dingue. Ah, t'as réussi. Purée, 6400 les poissons. Ah, Ah, oui, c'est... ouais. Bah, il coûtait hyper cher en même temps. Ah, okay. Alors, du coup, là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va démarrer la partie en achetant une nouvelle zone. On n'avait pas pu faire avant parce que quelqu'un avait le doigt qui glissait un peu trop. Dis donc, te permets pas. Et donc, du coup, on vient là. Hop, boum, on l'a acheté. Vous voyez, la petite barrière est partie. T'étais dans le coin, Xav? Non, t'étais pas dans le coin. Ah bah je sais pas, j'ai pas vu l'achat du coup. D'accord. Alors, on a des Ouais. carottes ici, on a du bambou, je fais le tour. Ah ouais, il faudra qu'on aille récolter les ruches. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a beaucoup de territoire ici. Bah c'est la zone qu'on reluquait depuis le début en Hein. fait. Ouais, on la voulait depuis le début, surtout avec les petits ponts ici. Dommage, on peut pas les faire nos propres ponts, mais... Ouais, j'ai regardé. Bah on pourra peut-être faire après, je sais pas si l'option se Possible. présentera, mais Peut-être. je Ouais. pense que. Et alors, la map, voilà, la case suivante va être achetée. Table au level 16 et on est au level 13, bientôt level 14. Dis donc, on pourrait Ah oui. pratiquement l'avoir dans pas longtemps. Du coup, Ah on bah n'est là, pas. Ouais. en récoltant, on va l'avoir, ça c'est sûr. Du coup, on n'est pas. Ouh, j'ai plus de carburant. Ok. On est parti, hein. On va récolter tout ça. Ah bah là, moi je replante rien, on fait juste pure récolte si tu veux. Ouais, pure récolte, ouais. On replante rien. Hop. Allez, boum, ça commence bien. Je m'occupe de vendre un petit peu ici. Ouh, on a fait passer les betteraves au level ou les. Je sais pas si C'est vous. les radis, je Les crois. radis. Ouais. Bah du coup, comme ce qui est bien, c'est que comme bah, les clickers, le jeu tourne même quand Ouais. votre partie est éteinte. Donc, on a pu planter des variétés qui mettent très longtemps à pousser. Voilà, qui mettent d'une dizaine d'heures à plusieurs jours parfois. Et là, on est passé level 14. Et puis on va avoir notre quête complétée. Ah oui, mais tiens, on va Ah la yeah. compléter. Et ça nous demande des choses qu'on n'a pas. Enfin, peut-être pas encore, je sais pas, faut voir. Attends, je vais regarder. Par contre, on est à 200 000 d'argent là, du coup. Et Ah, ah, on a changement de mis. saison. Ah bah en plus on va voir les arbres. Voyons. Ouais, on va avoir les arbres, donc là, ça va être. Alors, je dois récupérer du carburant. Ah, ici. Voilà, l'argent monte. Ah ouais, là. Là, on est vraiment riche. On va choper du blé. Le blé va nous permettre également d'activer le silo là-bas. Je pense, peut-être, si on en a assez. Ah, le coton a level Ah là, c'est le moment de satisfaction up. pure. Ah oui, ça c'est Pour le ces heures de résultat de notre farming bientôt. boulot. Ah ouais. Ah oui. En plus, moi, j'en pouvais plus au bout d'un moment. Il était quoi? Il était à je sais plus quelle heure du matin. Xav, lui, il a continué pendant 2 heures pour nous peaufiner la belle petite ferme. J'avoue que j'ai beaucoup farmé. Ah ouais. Là, on est passé, je sais plus à quel niveau on était en vidéo, je crois qu'on était au 11. On Et était au 11, ouais. du coup, j'ai farmé jusqu'au niveau 13, plus du niveau 13. Et quand t'es tout seul, c'est très long. Ouais. C'est comme on l'a dit, hein, un jeu à jouer avec des amis, parce que le jeu, même s'il n'y a pas vraiment un côté social,
Jouer avec un ami et vraiment ouais, change tout quoi. Ah oui. Tiens, est-ce que tu veux, si tu veux, tu peux faire deux trucs que moi j'ai eu l'occasion déjà de tester bah, pendant que je fermais. C'est le pressoir à fruits. Ah oui. Et il y aura les ruches aussi, comme tu as dit tout à l'heure, à les récolter. Effectivement. Ça, encore le pressoir, on est parti. Bon, après, voilà, c'est rapide, on clique. Oui, oui, c'est vite fait, c'est vraiment. Alors. Je nourris les oiseaux de mort là. Qu'est-ce qu'ils peuvent bouffer? Les oiseaux. Ah oui, les canards. Ouais. Je les supporte pas. On va plus vite à pied en courant qu'avec le tracteur. Ouais. Hop, du miel. Donc nos trois ruches, ça donne en fait, ça donne juste des diamants, ça nous donne pas d'argent. Après, de ce que tu as, on pourra, je sais pas si on peut déjà l'acheter, mais il y a un magasin justement pour vendre le miel normalement. D'accord. On aurait dû le faire acheter avant de. Mais on pouvait pas, sinon je l'aurais mis. Ah et on a déjà bah, le bambou qui peut être récolté là. On a level up le bambou. Bah là il y a des pop-up dans tous les sens. Ah ouais là. Et ouais c'est très. Alors là la zone autant le l'hiver la nuit est magnifique mais la zone là avec les petits ponts et les petits ruisseaux, je sais pas trop quoi, le mini lac, je sais pas comment l'appeler ça, est magnifique quoi en été. Ouais. Alors l'eau. Voilà l'eau. Du coup bah tiens on va faire un peu de déco du coup peut-être du côté là. Alors qu'est-ce que l'on a que l'on peut mettre? Bah fais-toi plaisir, dépense sans compter parce que là. Ouais, là on peut se le permettre. Très très large. Alors c'est vraiment dommage par contre qu'on ne puisse pas sortir les roues dans les pentes. Voyez, on peut pas faire la connexion. Voyez, ouais. Là, ça c'est vraiment dommage. Ça c'est vraiment le truc qui que je trouve un petit peu agaçant, c'est de pas pouvoir mettre de route dans les pentes. Ouais. C'est vraiment très dommage. Et ça leur aurait demandé de faire un bloc en plus, mais je pense que ouais, ça aurait donné un peu plus de charme au jeu. Hop. Ah bah super, je vais regarder un petit peu ce qu'on peut planter maintenant. Bah on va surtout mettre des vaches maintenant. Ouais mais dans les nouveautés je veux dire. Ah si, y a c'est vrai on a débloqué des choses. On peut faire de nouveaux poissons afro, tu sais les poissons des abysses avec des dents immenses. Ah oui. Ok. On n'a pas débloqué un nouvel animal de bétail. On peut faire du vin. Ah là, voilà un jeu qui devient vraiment intéressant. après, plus que de faire du vin, on va juste le vendre, mais oui. Ouais, bon, écoute, faut le goûter. Bah tiens, on va le mettre là. Oui, il faut le goûter avant, ouais. On va le mettre là. C'est gigantesque. Est-ce qu'on a de quoi... Ou alors c'est juste de la déco? Non. Non, bah tu attends le timer et quand t'as 40 de vignes, tu le vends et tu. D'accord. Le même principe que le reste, quoi. Ouais. Tu vois, le honey stand, il nous faut 10 rubans pour pouvoir le faire. C'est pas une question de diamant. Il faut faire des quêtes pour avoir les rubans, donc. Lequel? Honey stand dans le shop. Ah, d'accord, le vendeur de miel. Ouais. Effectivement, ouais. Bon, on est un peu loin, mais du coup, ouais. Et bah tiens, on va mettre des vaches. Tiens, on les met sur la petite île. Ça marche. Écoute, moi, je mets un tipi au milieu de tout. Tester. Vas-y. Et alors, les vaches. Tac. Ah bah alors là, vas-y. 4000. C'est un plaisir. Plus 40 d'XP, la vache. Elles ont pas l'air bien vives, les vaches. Hein. Ouais. Oh là, regarde, je sais pas si t'as la même chose que sur mon écran. Non. Tu vois pas deux vaches l'une sur l'autre? Non. moi les deux vaches, bon, soit elles sont tout de suite très potes, soit... non, moi j'ai pas ça, ouais. D'accord, ok, moi je dois avoir la version du jeu 18+. Peut-être, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, d'accord, c'est encore des vaches tout ça. Ouais, okay. Regarde tout ça, on va les nourrir. Purée. Ah bah là elles ont quoi faire hein. Ouais, là elles ont leur terrain.
Au moins, elle se balade en rond autour des arbres. Ah, il y en a qui vont dans les arbres, c'est cool. Ça va donner du lait. Ça va donner du lait au bout de 1h30. Et bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la presse à fruits déjà. T'as mis le tipi. Bah, je peux mettre un cactus ici si tu veux. À côté du tipi, pour faire un peu RP. Vas-y. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Ah, le petit cactus. Allez, boum. Le mec, quand il sort de chez lui, il a intérêt à faire attention. Hein. Ah, bah, très bien. Ouais, pas mal, pas mal. Hop. Là, dans l'idéal, faudrait. Bah, tiens, je peux vendre ici. On a 400 diamants. S'il faut. Bah, on peut faire une petite route si tu veux, sinon. Ah, bah, je vois que tu fais déjà l'éclairage. Je me suis un peu raté sur l'éclairage, mais c'est pas grave. Bah, ouais, non. Alors, donc, là, théoriquement, on devrait, vous voyez, commencer à. Alors, plutôt que tout dépenser, on devrait commencer à prévoir un petit peu. Un retour sur nos revenus, parce que si on dépense tout notre argent, après on apprend à planter et on récupérera rien, mais ouais, on devrait commencer à regarder les gros légumes, les gros fruits. Genre, bah tiens, les California Poppy. Ouais, c'est les nouveaux qu'on a, ouais. Ouais, ouais. Ça coûte assez cher. Moi j'en avais. Ouais, ça coûte cher. Au départ, j'avais mis les rouges en dessous des moulins. Ah oui, pour ce style. Un petit peu, ouais, voilà, tu vois, ça faisait un peu. Sauf que le problème, c'est qu'avec toutes les pancartes qu'on voit sur des récoltables, bah ça pétait un peu le. Ouais. C'est pas vraiment des. J'en ai planté quelques-unes, comme ça, quoi qu'il arrive, on a un investissement ici. Si jamais on tombe à court d'argent, on n'est pas coincé. On a toujours notre puits, de toute façon, qui me donne 25. Ah, mais moi, je continue à récolter le puits, même si. Mais en vrai, c'est une stratégie en early game, on peut tout à fait investir un peu plus dans les puits. Et moi j'ai fait une autre partie en parallèle où je dois avoir une dizaine de puits. Bah mine de rien, ça compte au début, tu sais, des fois t'investis en plantant des choses un peu chères. Et c'est sympa d'avoir un apport régulier comme ça, même si c'est léger. Ça te permet de jamais être à sec, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ah, des cerisiers, tiens. Vas-y. Normalement, on en a déjà deux. Ah. J'en ai mis un là, quand même. Il me semble que la saison pendant laquelle ils produisent est assez... Ouais, assez ils produisent courte. Qu'en été, donc ils vont produire à la semaine après. Alors, les arbres sont vraiment pas le meilleur investissement dans le jeu, parce que les arbres produisent à certaines saisons assez, en général de façon assez restreinte. Même si vous n'avez pas à replanter l'arbre pour avoir une autre récolte, il vous faut un grand paquet d'années hein, pour récupérer parfois plusieurs années. Je parle pas juste des saisons pour récupérer l'investissement, et même là il est pas gigantesque. Hein. C'est vraiment les légumes, la star du jeu, puis après c'est les animaux. Tout à fait. Et en parlant d'animaux, il y a tes cochons qui sont grave chauds, ils ont trouvé énormément de. On y retourne. Ouais. Moi j'y touche pas, hein. c'est tes cochons. Et donc là je récupère. C'était quoi déjà qu'on récupère ici? C'est des. Des truffes. Des truffes, ouais, effectivement. Et alors, les cochons, le truc qui est génial avec eux, c'est qu'à chaque fois qu'ils montent de level. Ils nous rapportent 10 de plus. Donc ça veut dire qu'on paye la même chose pour les nourrir. On achète des cochons pour le même prix, mais à chaque level, vous voyez là, on gagne un peu plus. Donc on a commencé à 200 par cochon, et là on gagne 340 par cochon maintenant. Et les canards jaunes qui bouffent énormément, c'est encore mieux, c'est plus 24 par level. Ils sont encore en manque de bouffe. C'est 1000 à chaque fois pour les nourrir. Ouais, ouais. Et j'étais passé les nourrir juste en me connectant. Par contre, après, il rapporte méchant. Bah tiens, regarde, ouais. Regarde. Hop. Ah bah super, bah j'ai. Ça me donne 700 pratiquement. Est-ce qu'ils vont monter le level? Ah, peut-être qu'on va les faire monter le level, je regarde. Non, non, il va pas y avoir assez, zut. J'ai plus d'essence. Bah tiens, on a deux... Ouais, mais si tu veux le truc de vente de... Bah ouais, ouais. Mais c'est tentant parce que c'est vrai que l'essence pour le coup. Ouais, l'essence elle retombe vite. Hein. Ouais. Ah oui.
Ah, tiens, je les ai fait monter le level. Génial. Et donc là, on a gagné bah, les 24, 696 à 720 par petit canard, canard jeune. Là-haut, ouh, là-haut. J'ai pas l'impression qu'ils sont prêts. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil. J'y suis passé 23 minutes. Juste tout à l'heure. Okay. Et bah, donc bah, voilà. Hein. Donc là, on va, c'est notre petit épisode final. Donc on se balade, on récolte, on met un peu de déco. Mais bon, on a vraiment vu la majorité de ce que le jeu peut proposer. Je dirais que sur cette partie, alors on a passé, alors en tout cas moi, j'ai passé une 25 heures. Je pense que ça va passer 35 heures sur cette save au moins. C'est pas parce que comme c'est toi qui hostais la partie, je suis pas sûr que ce soit que des heures d'activité que tu as. Ah oui, c'est vrai, oui, je t'ai laissé la partie en route pour que tu puisses continuer à bosser. Bah du coup, ouais, donc moi je dirais plutôt... Ouais, c'est dur à... Ouais, le même nombre d'heures pour toi, ouais. Ouais. Exactement le même. Mais bon, il c'est pas effectivement que des heures d'activité. C'est un clicker, enfin, avec des éléments de gameplay de clicker. Donc non seulement on a la partie qui a progressé quand on n'était pas là, mais elle a également progressé lorsque l'on laissait l'ordinateur tourner pour que moi ou Xav puisse continuer à récolter. Hein. Ok. Bon, après, donc c'est un jeu qui a pas énormément de profondeur de gameplay, mais il est fun. Il est fun. Ah bah c'est sûr que oui, c'est... mais c'est vraiment, ouais, c'est satisfaisant. Mais il faut pas... Le gars qui attend un scénario, il va être... Ouais. Et je pense franchement... bon, on a beaucoup de zones à débloquer, mais je pense qu'au bout de la deuxième zone, on commence déjà un petit peu à voir tout ce que le jeu peut proposer. Quoi. Débloquer une troisième zone est plus un bonus, on va dire. Mais si vous arrivez à avoir deux zones, vous êtes... Bah disons qu'après, je pense que... ça donne envie de jouer, d'inviter d'autres personnes dans sa ferme pour que chacun, parce que ça commence à faire loin, et que du coup, comme on peut gérer les permissions qu'on donne aux invités, ça donne envie des fois d'avoir de dire bah, à un pote, bah tiens viens, là c'est trop grand pour moi, est-ce que tu peux t'occuper de ça, parce que vu le nombre de parcelles qu'on peut acheter, mine de rien on peut trouver un terrain vraiment. Oui, par contre, bah, comme je disais, le nombre de parcelles vraiment fait pas varier le gameplay. Quoi. Après, c'est du bonus pour apprendre avec les amis. Voilà, c'est ça. Ça donne envie d'inviter d'autres gens pour se marier ensemble. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Donc ça va être la dernière vidéo sur le jeu. Si vous êtes curieux, vous voulez voir la page Steam ou autre, c'est dans la description. Moi, je vous remercie de nous avoir rejoints sur ce petit let's play de 4 épisodes. Et puis bah, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. À bientôt. Bye bye. Bye bye.